Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'ancien, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Alléluia. Serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Alléluia. Louons le Christ, le grand prêtre, pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage.
prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. À leur intercession, purifie l'Église aujourd'hui. Tu as choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Toi, l'unique richesse des saints, ne permets pas qu'aucun homme sauvé par ton sang demeure loin de toi. Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde, tu t'es livré pour eux, sauve-les. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Notre par une grâce particulière, tu as donné à Saint Pio du Petrelcina de participer à la croix de ton Fils, et dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions, à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.